Putain, ça a été le miracle, le concert devant la Statue de la Liberté, sur le pont du bateau, avec l'arc-en-ciel. Et là, le concert à Central Park. Que dire ? On est vraiment gâtés. Merci. Non, c'est génial, on est super contents. Donc nous sommes là sur une étape d'une magnifique séquence franco-américaine qui a commencé à Brest et Saint-Nazaire la semaine dernière, qui se poursuit aujourd'hui à New York, qui revient à Paris dans 10 jours. Je crois que c'est quand même assez exceptionnel. Je trouve qu'on a magnifiquement occupé cette commémoration franco-américaine. Elle a été rénovée, revitalisée. Et voilà, c'est le plus bel hommage sans doute qui pouvait être rendu. C'est pas tous les jours qu'on peut rentrer, surtout au mois de juin, à Central Park. C'est un endroit mythique. Donc c'est déjà un grand, grand honneur de pouvoir jouer quelques notes de musique ici, dans cet endroit mythique. Donc ça va clôturer d'une belle manière la folie de The Bridge depuis 15 jours. Et voilà, on est heureux d'être au bout, un peu sur les rotules. Mais on profite des derniers instants.